terminé de préparer le dossier de Biron pour la rencontre de sécurité, mais si je te disais que je présente le dossier de Standing Bear aussi, tu verrais-tu un inconvénient? Tiens-toi-en ce qui est prévu, là, s'il te plaît. Ouais, mais entre ce qui est prévu puis la réalité, il y a une grosse différence. Jo, si on commence ça, là, on s'en sortira pas. Mais si on commence quoi? À changer nos plans tout bout de champ. Déjà que j'ai accepté d'annuler ma journée de congé pour réviser la code de sécurité de Biron, là. Justement, tu vas l'avoir annulé pour la peine. Je te dis. Bonjour. Allô. Bonjour. Merci de vous joindre à nous, M. Picard. On sait que ça chamboule votre horaire. Que je puisse savoir la raison pour laquelle vous m'avez invité à votre rencontre de sécurité? Oui. On a une décision à prendre sur la côte de Jeanne Biron. Oh, ça, c'est une bonne idée. Oui, on souhaite la déplacer de secteur. Si elle est en population médium minimum, on a plus de marge de manœuvre à l'interne. Dans les faits, il y a deux cas qui méritent notre attention. Hein? Si on prend une décision sur l'une, on peut prendre une décision sur l'autre. Les détenus Standing Bear et Biron ont été transférés au maximum presque en même temps et mon évaluation de comportement concernant les deux détenus est positive. C'est évident qu'ils ont plus d'affaires dans mon secteur. Oui, je comprends. Il faut mentionner quelque chose ici, là. Madame Standing Bear est arrivée ici avec une cote de délinquante dangereuse. Je pense que ça prend un petit peu plus d'analyse. Ben, c'est ce que j'ai pris la peine de faire. Comme on sait qu'un voyage au maximum, ça coûte deux fois plus cher qu'un transfert en médium minimum, faut se poser la question. Est-ce que la détenue présente des comportements violents, agressifs? Mais non. Elle n'a pas plus d'affaires au maximum que Biron. C'est fait. Et là, qu'est-ce qui vous manque pour faire le transfert en médium minimum? On va avoir quand même besoin de votre avis au dossier, là, si jamais on veut procéder. C'est sûr que quand Jeanne Biron défie l'autorité ou manque de respect aux règles établies, elle en est toujours consciente. Alors, ça va être important dans le futur là, de lui laisser l'entière responsabilité de ses faits et gestes, qu'elle comprenne que l'accès à la grande cour, c'est un privilège qu'on lui donne et elle va devoir se comporter en conséquence. De toute façon, là, la question qu'il faut se poser, c'est on lui fait confiance ou on lui fait pas confiance? Non, mais José apporte un bon point en proposant de transférer Mme Biron en même temps que Mme Standing Bear. Elle a une influence positive sur Mme Biron. Elle est plus spirituelle, elle a un sens profond des racines familiales et ça peut faire toute la différence pour l'avenir. Mais ça, je peux pas vous l'écrire dans un rapport. C'est un risque que vous allez devoir prendre. Merci. Ben, t'es d'accord pour qu'on les transfère? Dit pour l'instant. Puis tu vas leur donner ma mère comme elle sait? Il y en a une des deux qui doit aller avec Bacchus, là. C'est deux cas compliqués, là. Ma mère a plus d'expérience. Oui, je sais, Jo, mais je peux pas y donner deux. C'est Standing Bear ou Biron? Ben, mais ça me crève le cœur, là, de devoir en donner juste une. Standing Bear? On va essayer d'aider Biron le plus possible. À partir de maintenant, ils sont plus sous ta responsabilité. Mesdames, on va vous escorter à vos unités. On n'est pas dans la même unité. Comment, là? Séparez-nous pas. Elle a besoin de moi, moi j'ai besoin d'elle. On va s'aider entre nous autres, on vous fera pas de trouble. Confinement pour 24 heures. Si tu vois qu'elle se comporte avec respect, là, vous pouvez la laisser circuler. Son comité disciplinaire est prévu pour quand?
Je sais pas encore. Dès que je sais, je te fais signe. Ben, t'es ici de passage ou... Non, pas vraiment. On a pas mal de dettes dans le cours, mettons. Si on l'envoie là, tu viens de l'envoyer directement à la morgue. Merci. Madame Salanès, on se calme. On va vous remettre vos affaires personnelles une fois votre confinement terminé.